Femme, moteur développement économique yon pays. Potomitan yon société, mais doit yon souvent négligé. Femme haïtienne yon, yon ge courage, yon intelligent, yon belle, yon dynamique, yon se femme jam. Journée internationale femme, célébré chaque 8 mars, en pile côté nan monde lan. Nan occasion si la, Association militant droit femme yon, fait tande revendication yon pour joindre amélioration nan condition la vie yon et puis combattre discrimination. Carrefour Richesse Haïti, qui c'est un mouvement qui travaille à quelques jeunes qui sont partout dans le pays à Soukilti nous, profitez de journée ça pour réaliser une exposition peinti qui reproduit portrait 20 femmes voyantes dans plusieurs secteurs, tant qu'écrivaines, artistes, chanteuses, danseuses, musiciennes, militantes féministes et madame Sarah. Un travail qui durait quelques temps pour 11 jeunes peintres Carrefour Richesse Haïti yo réaliser tableau sa yo qui montrait intérêt culturel et artistique yo pour femmes modèles sa yo. Une exposition qui vraiment intéressant côté que n'a levé image femme yo pour lever honneur yo pour femme yo qui montrer qui ça yo ka fait dans vie. Combien tableaux qui exposé là et ou même combien tableaux qui open? Moi peine 2 tableaux. C'est Émile Prophète avec Lina Maton Blanchette. Combien de temps ça te prend? Ça te prend 3 jours de ça. Moi peine de tableau, c'est avec peinture acrylique que nous servi. C'est Yannick Jean avec Edwidge Dantika. Portrait 20 femmes voyantes qui exposé sous thème Les femmes construisent une autre Haïti qui pral permettre jeune génération à qu'on travaille femmes voyantes. Femme créole, ça a été fait dans la société haïtienne, d'après membre fondateur Carrefour Richesse Haïti, Madame Rosanne Auguste, pendant le souhaité droit femme yo respecté. Comme 8 mars, journée internationale respect droit femme, yo choisi pour yo faire li, pour yo lancer exposition ça, et journée et 8 mars là. Et tant qu'on est là, c'est 20 femmes yo choisi pour yo peine. Parmi 20 femmes ça yo, ou gen 8 écrivaines, nous joignent 6. Artistes et vous joignez 6 artistes musiciennes, vous joignez 6 militantes féministes. Tout. Et puis, nous avons 4 et prototypes femmes qui sortent dans le secteur informel. Là. Et au lieu que vous preniez une photo de femmes, mais vous-même, vous représentez par la peinture. Je suis très satisfaite, et moi satisfaite premièrement. Et de travail jeune yo réalisé parce que n'a pas parlé de jeunes qui fait c'est des autodidactes qui fait à faire peinture n'ont pas parlé de jeunes très professionnels et c'est peut-être ça me une grande satisfaction de voir qualité travail yo et moins fier tout de femmes que yo choisi pour yo peigne yo ça permet que en pile visiteur qui vient là y a découvrir et travail femmes yo œuvres yo et historiquement gagne des femmes yo peine peut-être jeune génération pas de connaître tant que Yannick Rigaud et c'est pas des monyo tant que Yvonne Hakim Repel c'est peut-être des générations moi-même génération pas mieux mais des jeunes qui viennent qui pas de connaître ça permet que yo découvrir et quantité de travail que femmes ça a été fait journée 8 mars là qui sont journée internationale bataille femmes journée combat pour faire respecter droits femmes moi t'as dit monio de plus en plus il faut avoir plus respect pour femmes yo faut que bataille contre violence sous femmes faut que bataille pour faire respecter droits femmes yo et faut apprendre tout de l'adresse femmes yo de travail femmes à faire dans la société ça pour nous gon l'autre Haïti. Exposition ça a continué jusqu'à 18 mars 2017 dans l'auditorium Bibliothèque nationale d'Haïti, non façon pour rebaille mémoire artistique, vérité artistique féminin.